Bonjour, nous sommes lundi, il est 8h moins 5, je suis déjà prête, hein. Je suis déjà prête. On s'est levé à 7h20 ce matin avec Doudou, on s'est dit qu'il fallait qu'on se lève un petit peu plus tôt pour déjà profiter de l'un de l'autre, de déjeuner ensemble, etc., etc. Donc ce matin, réveil à 7h20, enfin 6h50 et on s'est levé à 7h20, voilà, hein, je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça. On a déjeuné ensemble et puis là j'attends 5 minutes pour aller voir Cali et puis après j'irai voir Aria. Week-end bien mouvementé puisque on a fêté les 2 ans de Cali ce week-end. Hier on avait plus de 30 personnes à la maison, enfin dans le jardin. Les ballons sont encore là, vous le voyez, j'ai pas envie de les enlever, voilà. J'ai vraiment pas envie de les enlever. J'ai pas envie d'enlever ma arche. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Bref. Donc ouais, week-end assez mouvementé. Hier, bah, quand tout le monde était parti, il fallait tout ranger. On a des amis qui sont restés. Enfin, surtout un ami qui est resté pour nous aider. Et puis bah, après, bah, fallait faire le ménage, fallait faire la serpillière et tout. Le jour d'avant, Doudou avait passé la tondeuse. Donc clairement, chaque personne qui rentrait, il me rentrait de l'herbe. J'avais de l'herbe de partout dans le salon. Enfin bref. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Et donc voilà, on s'est couché assez tard quand même, donc ça piquait un peu. Et en plus, je devais faire des papiers puisque là, tout à l'heure, je dépose les fichiers Nounou et j'ai un rendez-vous sur Lyon avec une boîte d'intérim pour m'inscrire en boîte d'intérim pour pouvoir faire à droite, à gauche de l'intérim, des remplacements de temps en temps. Parce que ça me manque. Ça me manque. Je pense que toutes les personnes qui sont dans le paramédical, bah ça manque quoi. Ça manque. Moi, j'ai pas travaillé depuis janvier puisque bah, j'étais enceinte de Daria. Et ça me manque quoi, le relationnel, les patients, de discuter, d'apporter, je sais pas, tout ça me manque. Donc voilà, j'ai décidé de m'inscrire en boîte d'intérim et ça va me faire du bien. Voilà, principalement week-end et nuit, si possible. Après, je sais que nuit, ils cherchent énormément, donc on verra bien. Je vais amener tous mes papiers ce matin et puis on verra bien. Petit hic, j'ai pris rendez-vous à 10h et j'ai pas pensé, mais je vais sur Lyon, donc à mon avis, je vais avoir un petit peu de bouchon. En tout cas, la fin des bouchons de 8h, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, et sinon, après le rendez-vous, je dois aller faire les courses. Et ça, ce n'est pas drôle du tout. Hier soir, en plus du ménage, je me suis occupée de mon planning repas. Il y a plein de petites recettes là, croque-kilo. Je vais vous en partager pas mal sur Instagram. D'ailleurs, en parlant de recettes, vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages à savoir si je fais toujours les vidéos recettes sur YouTube. Je vais arrêter sur YouTube. Clairement, ça me demande énormément de boulot. Ça me demande beaucoup de plans. Même si je ne fais pas ça super, voilà, il y a des vidéos recettes qui sont beaucoup mieux, plus jolies, quoi. Mais une vidéo recette, ça demande énormément de temps, de boulot, de montage, de voix off, etc., etc. Et en fait, je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas. Que avec un post Instagram, avec la recette écrite sur les photos, vous vous y retrouvez, je m'y retrouve et ça me va complètement. Donc il y aura beaucoup plus de recettes sur Instagram que sur YouTube. Il n'y en aura plus du tout sur YouTube. Et à la place de la vidéo recette du mardi, eh ben, je vais mettre un vlog ou une vidéo blabla ou une vidéo voilà, tout ça. Voilà pour tout ça. Je vais aller réveiller les filles. Enfin, réveiller. Cali, elle commençait à bouger tout à l'heure. Je vais ouvrir la porte d'Aria doucement quand je prépare Cali. Et puis voilà, on est parti pour une nouvelle journée. Il fait très beau, il va faire très chaud. Et ça, c'est cool. Et j'ai pas envie d'enlever ma arche à ballon. Et d'ailleurs, je pense que je vais avoir la question, est-ce que j'ai filmé l'anniversaire de Cali? Pas du tout. Je n'ai pas filmé du week-end. On a profité de nos proches et de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, donc vous aurez peut-être des petites photos sur mon blog, puisque vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais ma arche de ballon. Donc je le ferai sur le blog, mais c'est tout ce qu'il y aura parce que on a voulu profiter de notre week-end. Et puis si vous voulez voir des photos, je vous invite à me suivre sur Instagram, puisque j'ai mis pas mal de photos. Voilà, c'est parti, let's go. On est parti pour une nouvelle semaine. Je suis rentrée à la maison, il est midi et demi, j'ai tout fait. Tout fait. Je suis allée à Lyon. Bon, comme je vous ai dit, je me suis pris un petit peu de bouchon. Arrivée sur le périph' de Lyon, en fait, voilà. De la maison, pas de souci. Je prends le périph' et tout. C'était orange et j'arrive sur le périph' et bim, rouge. Bref, vous savez, quand vous mettez Maps, ça vous indique la couleur, voilà. Alors moi, j'utilise et Maps et Waze, mais Maps m'indiquait rouge. Enfin bref,
Voilà, comme d'habitude, il n'y avait rien du tout sur la route. Il y avait un accident de l'autre côté et les gens y freinent. Et voilà, ça fait des ralentissements alors qu'il n'y a rien du tout. Bref, je suis arrivée à l'heure, je suis arrivée à moins 10. Moi, je suis une toquée. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai un rendez-vous, il faut que j'y sois 10 minutes, un quart d'heure avant, sinon ça ne va pas. Mais ça ne va pas du tout. Et là, quand je voyais l'heure défiler, j'ai dit mon Dieu, en plus. Le GPS m'annonçait pile poil l'arrivée d'heure au rendez-vous. Je me suis dit en plus il va falloir que je tourne pour trouver une place. Et en fait non, j'ai eu une place directement. J'ai eu trop de la chance. Bref, je suis arrivée à moins 10, donc très bien. Mon rendez-vous s'est très bien passé. Je me suis inscrite, etc. etc. Donc voilà, maintenant ils vont me contacter, ils vont me proposer des missions. Et j'accepte ou non. Donc ça c'est très très bien. Je suis allée faire les courses également. Je suis passée au primeur. J'ai trouvé encore pas mal de fruits et de légumes. J'en ai eu là pour tout ça là. 8 euros. 8 euros. Il est top mon primeur. Il est vraiment top. Je kiffe. D'ailleurs, il y a une d'entre vous qui habite pas très loin de la maison qui m'a demandé si il était à côté de Boucherie André. Et oui, c'est celui-là. Donc voilà. D'ailleurs, je vous ai donné la recette. L'adresse la semaine dernière, il est à Tigneux. Voilà. Et ça s'appelle Au Petit Primeur. Et il est très très bien. Sinon, je suis passée également à Lidl. Et je suis pas passée à grand frais parce qu'en fait, tous les légumes dont j'avais besoin, je les ai trouvés au primeur. Donc je suis ravie. Parce que si j'avais dû passer par grand frais, je pense que j'en aurais pour carrément plus cher. Là j'ai une semaine de course et j'en ai eu pour 70 euros, même pas 70, moins de 70 euros, donc parfait. Il me manque juste du lait demi-écrémé pour Calinette, j'en ai trouvé que du écrémé pour Doudou, mais bon c'est pas bien grave, je referai un saut cette semaine, ce n'est pas un souci. Voilà, je vais vous filmer le retour de course. Malheureusement vous ne verrez pas la tête de Doudou encore une fois, peut-être la semaine prochaine. Voilà, désolée. Hein. Et puis après, je vais manger parce que j'ai très très faim. Après, place à l'atelier. Et à 14h30, j'ai rendez-vous chez les sages-femmes. Voilà, c'est l'une des dernières, l'avant-dernière, rééducation du périnée. Ça, c'est top. À part si elle m'en rajoute, mais normalement, non, parce que la dernière fois, elle m'a dit c'est très très bien. Donc tant mieux. Et puis. Et puis voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et il faut que je... Ah oui, je vais planquer des cadeaux à Cali aussi. Elle a eu énormément de cadeaux. Mais on s'est dit avec Doudou qu'on n'allait pas tout lui donner en même temps. Parce que clairement, elle va rien comprendre. Donc voilà, on va en sortir de temps en temps des nouveaux. Parce que si je lui sors tout, elle va plus savoir où donner de la tête. Voilà, et là, je peux vous dire qu'elle a été, elle a été très gâtée. Enfin voilà. Voilà, voilà. Et j'ai enlevé toute ma déco. Vous voyez là? Regardez. Il faut que je mette en vente la déco comme ça, tropicale et tout. Parce que je sais que ça s'intéresse. Et puis, on va peut-être pas forcément s'en resservir. Donc, autant que je la vende, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Pff. Franchement, si c'est pour y garder dans un sachet et que ça s'abîme, autant y revendre. Enfin, bref. Ah oui, et puis, il faut que je démonte accessoirement le gâteau à bonbons. Qui a été bien mangé, mais il en reste pas mal, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Et je vais tout mettre ça dans une bonbonnière. Et puis, de temps en temps... On en mangera. Voilà. Allez, let's go. Je me fais manger. J'ai très, très faim. Et très soif, accessoirement. Très, très soif. Ouf. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai récupéré les filles. Coucou. Salut. Coucou. On est à la maison. Oui, on est à la maison. On est rentrée. C'était bien chez Nounou? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? C'est du bois. Eh ben, c'est du chou-fleur. Que maman, elle doit préparer. Oui, donc... J'ai récupéré les filles chez Nounou, je suis allée chez la sage-femme, je suis allée récupérer un colis Vinted qui était arrivé déjà samedi, mais bon, j'avais pas envie de courir samedi. Voilà, sinon les filles ont passé une très très bonne journée, Aria a passé une très très bonne journée, là elle est claquée. J'ai essayé de la coucher, mais elle ne veut pas se coucher, c'est-à-dire qu'elle tourne, elle fait 360 dans son lit, elle hurle. Elle pleure même pas en fait, elle hurle, elle m'appelle. Voilà, donc je l'ai mis avec moi, je l'ai mis dans le transat. Vous savez, le joie que j'ai reçu là, qui se berce un petit peu, ça lui fait du bien d'être bercé un petit peu. Et comme je ne peux pas la bercer moi, et ben voilà, ça, il me sauve un peu la vie ce transat. Je suis en train de faire le repas de ce soir. Ce soir, c'est endive au jambon, croque kilo. Doudou ne rentrera pas ce soir, enfin ne rentrera pas, s'il va rentrer ce soir, mais il ne va pas rentrer tout de suite. Voilà, normalement, il aurait déjà dû être là. Mais en fait, ce soir, il va au sport, donc il rentre un petit peu plus tard. Il va arriver vers sur les coups de 8h, 8h30 à peu près. Donc, je m'occupe des filles toute seule, mais ça va bien se passer, hein. On l'a déjà fait la semaine dernière, donc il n'y a pas de souci. Cali est beaucoup plus
Elle fait beaucoup plus de choses toute seule, donc ça va un peu mieux. Puis Aria, elle est beaucoup plus grande maintenant. Enfin, beaucoup plus grande. Elle est plus grande que quand elle avait un mois, quoi. Normal. Voilà, donc là, je vais faire ma béchamel croque-kilo pour mettre sur mes endives. Et après, ça va partir au four. Je vais faire gratiner tout ça. Ça va être très, très bon. Kali, elle adore les endives, donc il n'y aura pas du tout de soucis. Et il faut que je fasse cuire mon chou-fleur et mon brocoli. Voilà, comme ça, je mets ça en boîte et c'est déjà cuit. Et voilà, c'est plus simple pour moi. Ça demande moins de... Vous voyez, je le fais maintenant, j'ai un peu de temps, donc voilà. Voilà, voilà. Et puis au Thermomix, ça va très très bien puisque j'ai deux étages. Dans le panier Varoma, je vais mettre... dans le panier, je vais mettre le brocoli. Et dans le Varoma, je vais mettre le chou-fleur et puis ça ira très très bien. Voilà, voilà, voilà. Et puis bah d'ici... j'ai mon portable qui vibre. D'ici 40 minutes, bah, on mangera. Doucement mais sûrement. J'ai réussi à endormir Aria. Merci le transat qui prend le relais de Bercé. Parce que là, ça a été très très compliqué. Hein. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, c'est le transat hein, qui, dès qu'elle se sera bien endormie, parce que là, elle bouge encore les bras, j'éteindrai parce que je ne veux pas trop la mettre là-dedans pour pas qu'elle s'habitue. Mais compliqué là. Habituellement, quand je fais à manger et tout, Renaud est là, donc... il m'aide et il a les bras, quoi. Moi, je fais à manger. Mais là, trop compliqué. Kali, elle arrêtait pas. Elle regardait Aria. Ça y est, Aria. Maman, elle l'a. Maman, elle l'a. Ça m'a trop fait rire. Enfin, je pense qu'il y a les dents. Oui, t'as pris une petite cuillère. Une petite cuillère. Kali. Kali. Comment on fait? Chut, 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 doucement. Elle vient de faire catapulte avec son assiette. Catapulte. Non, pas catapulte. Catapulte. Bon, on va manger. Je vais dresser les assiettes avec les endives. Elles doivent être bien chaudes. Et voilà, Aria a déjà pris son bib, hein, alors qu'elle a mangé à 16h15, mais à 19h, vous voyez, 19h20, elle avait faim. Donc écoutez, là je vais voir si elle dort, si on verra. Il reste un bib, il reste 90 à peu près, on verra. Les dents, j'en ai ras-le-bol de ces dents. Vivement qu'elle elle les ait toutes sorties et puis on n'en parle plus là. Kali, je me rappelle, ça a été long pendant un bon moment. Elle nous en a sorti 8 d'affilée et après, on n'en a plus parlé pendant un moment, mais c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on mange? Tu as faim? Kali, t'as faim? Oui. Allez, on mange. Coucou. Ta soeur, elle fait le clown là-bas. On monte, Kali? On va au bain? Ah, t'as les mains gelées! T'as les mains gelées! Ça va mieux, toi? T'as les mains gelées! On va au bain, les filles? On va au bain, les filles? Non. Oh, demain, c'est la fête à papa! Et demain, papa et maman, ils ont 3 ans de mariage! Ça y est, demain! 3 ans de mariage! De mariage! De mariage, oui. Est-ce qu'on va au bain? Oui! Allez au bain! Au bain, mauvaise troupe! Allez, on monte! Allez! Ah, t'as pas fait mal à ta tête là? Tu vas où? Ah! On monte au bain! Ouh là là! Ouh là là! Ouh là 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 là! Est-ce qu'on monte au bain? Non. Oh que si! Tu vas aller prendre un bain, t'en as de partout. Regarde ta bouche. Regarde ma mouillette. Hein? Regarde, oui, il y en a de partout. Oui, j'ai bien vu. Et puis on va moucher le nez, hein. Ah non. Allez, on grimpe cochon. Oh que si. Oh que si. On monte? On monte Aria? Allez, go! J'en perds ma bretelle. Ah non!
Qu'est-ce que tu fais? Elle a appuyé sur le bouton. Oh, regarde, qui c'est qui est là? Regarde, qui c'est qui est là derrière? Regarde, c'est qui là? Goji. Oh, y a Goji. Goji. Aïe, 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 aïe. C'est aïe. C'est une sauvage, ta soeur. On va au bain? Non. Oh, si, si, si. Est-ce qu'on va au bain? Non. Oh, si, 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 si. Allez, go! Bon, les filles sont au dodo. Doudou vient de rentrer. Il est allé faire un bisou aux filles en haut. Voilà. Je vais m'occuper de tout ça, là. À tout remettre dans les petits paniers et tout. Il y en a de partout. C'est la vraie vie. Aïe, aïe. Demain, si j'ai un peu de temps, je vais ranger un peu des jouets. Je vais en ranger certains et en sortir d'autres que j'avais rangés. Parce que là, je trouve qu'elles jouent toujours avec les mêmes et y en a plein qu'elles ne touchent plus du tout. Donc, je vais alterner un peu, voilà, pour que ça change de jeu, en fait, tout simplement. Mm. Voilà, voilà. Allez, let's go. Doudou est rentré, donc ça, c'est cool. Je range ça et puis après, je vais bosser dans l'atelier. Et puis, en couchant Cali, je lui ai fait un câlin et j'ai réussi à m'endormir. À mon avis, je ne veux pas faire long feu, je vous le dis. Mm-hmm. Bon, bonjour. On ne vous a pas vu aujourd'hui. Allez, on continue. On continue quoi? Non, il était au sport. T'as fait quoi, body pump? Ouais. Body pump, ouais. Une heure. En douceur. Il a commencé doucement. Parce que ça faisait un moment que tu n'avais pas fait. C'est la deuxième fois. T'as mis combien de kilos? Je augmente un peu les pour jouer doucement. Là, il avait mis 100 grammes. 100 grammes. Oui, mais je me suis pas lavé depuis 15 jours, du coup il y a 5 kilos de plus que j'ai sur les bras. Bref, bon, je vais mettre une veste, je vais aller faire le plein de la voiture parce que je ne sais pas si vous avez vu aux infos, mais il y a eu un. C'est quoi? J'en ai aucune idée. En Arabie Saoudite, je crois qu'il y a eu. Attentat. Je sais pas si c'est un attentat ou pas. Je veux pas dire de bêtises, donc je vais rien dire. Mais il y a eu quelque chose et donc les prix du gasoil vont flamber. Et ça va être à partir de là ce soir, voire demain. Donc l'idée c'est que j'aille faire le plein de ma voiture et Doudou ira faire le plein de sa voiture après. On n'en a pas pour longtemps, il y en a pour 5 minutes à y aller. On va pas y aller en même temps puisque les filles sont au dodo, on est bien d'accord. Hein. Ah si, c'est logique. Oui, mais il faut pas le dire devant la caméra qu'on y va en même temps. C'est une blague. Hein? T'as donné des croquettes? Pour Goji, pour la féliciter qu'elle garde nos filles. Oui. Bon, on va au ciné alors, on va pas juste faire le plein. Bon, on va faire le plein au ciné. N'importe quoi, c'est une blague, hein, c'est de l'humour. Non mais je préfère préciser parce que voilà. Donc je vais aller jusqu'à Leclerc faire le plein. Et puis après Doudou il ira ou alors je fais les deux voitures, on verra bien. Oui. Hein? Je vais faire la mienne. Tu fais la tienne. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et après on va s'occuper de l'atelier. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses à ranger. Voilà. Non. Oh, aussi. Il y a deux tissus qui se courent. Non, il y a deux tissus. Ouais. Si, il y a du job à ranger. Allez, let's go, c'est parti. Leclerc à 22h. Normal, tout va bien. Je viens de sortir de la douche. Ça m'a fait fort du bien. On a commencé à ranger les tissus. Je vais descendre vous montrer ça dès que j'aurai mis mon pyjama et tout. Franchement, ça me prend la tête parce que... Oui. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? T'as vu l'heure? Il est minuit là. Nous sommes le 17 septembre. Et il y a 3 ans, on s'est dit oui. Et c'est les noces de froment. De froment? Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a des céréales. Ah, je savais même pas. Noces de froment? C'est dur de trouver du blé à cette époque. J'ai le droit à ma petite rose. Trop beau. Non, en plus, elle sent bon. Hein. Waouh! Merci, mon amour. Je vais la mettre. Oh! Bah, ça, je le lirai après parce que sinon, je vais chouiner. Oh! Maître chocolatier pâtissier. Il y a une petite autocollant pour certifier la fermeture et j'en ai pas mangé. Tu veux pas l'ouvrir? C'est bien. Mon cher mari pense à mes fesses. Encore une fois. Je
Joyeux anniversaire de mariage, mon amour. 3 ans. C'est pas les mêmes, donc tu sais quoi, tu pourras comparer. Oh, c'est des macaques! Oh la vache! Et si on balèze, hein? Alors, vanille, caramel, citron? Oui. Framboise? Non. Cerise? Griotte? Ouais, cerise, ouais. Et l'autre, c'est quoi? Il y en a, faut que je réfléchisse, c'est cassis violette. Il y a un cassis, ouais. Et il y a un. Il y a un lait passion. Et puis il y a toute la carte là, puis je m'en souviendrai. Oh. C'est le papier qui va là. Et ça vient de. Comment on dit, Sève? Ouais. C'est Gary Lafayette. Merci, mon amour. Cassis sont placés par Dieu. 12 petits cookies rien que pour mes miches. Tu vois, au début, je me suis dit qu'il y avait peut-être du blé dans le. Dans les macarons, ben non. Pas du tout céréales. Merci mon chat. Ah, oh, trop cool. Merci. Un plaisir. Mm-hmm. Bon, bah, 3 ans de mariage. Et je sais même plus ce que je disais avant que tu arrives avec ta jolie fleur. Je disais que je galérais à classer les tissus, mais on s'en fout. Oui, maintenant. Maintenant, c'est mort. Voilà, 3 ans de mariage. Il y a pétale de rose aussi, je crois. Si de, peut-être, ah ouais. Il y a peut-être un. Il y a la photo là, des macarons. Pour se planter, c'est du coup. Ouais, je vais regarder. En tout cas, t'as pris caramel beurre salé là. Et vanille. 4-4. 4-4. Et après, j'ai panaché les 4 derniers. Je vais me régaler. Merci, ils mon ont chat. L'air bon. Bah, en tout cas, ils sont bien. Ils sont... Déjà, la boîte est super lourde. Ouais, ils sont balades. Et. Enfin, et ils sont... là, ça te fait un dessert. Et, ouais, ils sont bien remplis. Hein. Merci, mon chat. Je vais mettre la rose dans un vase. Tu veux que je redescende tout? Mais je vais descendre, de toute façon, il faut que je vais descendre. Mais descends peut-être la fleur, je descendrai. Je descendrai la boîte. Ouais, donc je vous dis. Merci mon chat, t'es un amour. Elle sent bon, ouais. Je sais même plus où je vais. Il m'a perturbé là. Ouais, je sais pas comment classer mes tissus. Donc voilà, on va réfléchir si on classe par couleur, si on classe par forme, si je sais pas. Enfin voilà, trop classe, trop bien. Moi je sais, c'est demain soir. Enfin ouais, vous le verrez dans le vlog de demain soir, mais c'est demain soir. Habituellement c'est tout le temps moi qui fais à minuit et cette année je me suis dit non je fais pas à minuit. Quand je vais monter ce vlog. Il le verra pas encore. Enfin, s'il le verra, mais quand la soirée de demain sera passée, donc c'est bon. Non, mais il faut que je pense à tout quand même. Enfin, bref, trop bien. J'ai beaucoup de chance. Bon, et là, il m'a écrit Renaud à chaque occasion. Que ce soit notre anniversaire de rencontre, notre anniversaire de mariage, mon anniversaire, il m'écrit tout le temps des lettres. Et je les garde toutes. Depuis le premier jour qu'il m'en a fait une. On s'est rencontrés un 4 février. Le 5, c'est son anniversaire à Renaud. Et je crois que le 10, on faisait son anniversaire avec tous ses potes. Et il avait écrit une lettre à tout le monde pour remercier, etc. Et moi, il m'avait écrit une lettre. Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Hein. Mais je me rappellerai toujours de cette lettre. Il me l'avait écrite à la machine à écrire. Et trop classe. Enfin bref, voilà. J'ai un mari qui est très très romantique. Je pense que ça se voit. Enfin, je suis sur mon petit nuage là. Il m'a perturbé. Non, c'est pas le beau mot. Il m'a. Bravo, doudou. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. Bravo. Enfin bref. Bon allez, je sais même plus. Voilà. Je vais aller vous. Non, je vais. Vous savez quoi? On va se quitter sur ces belles paroles parce que voilà, je vais pas rajouter du tissu juste après, ça vaut pas le coup. Et merci mon amour. Merci. Et je vais me mettre en pyjama accessoire. Bon.